Ma Mission TV, le miroir du monde. Bon, les Kamotosan, ils ont vraiment maman à regret, Mobimba. Il y a comme on a un député élu par la population. Oh, Yébi, Koyeba Mibeko Yamboka, article 69, et je pense au président de la République, tous les pouvoirs, il y a qu'on nomme quand tu as nécessité. 77, la décision, il y a président de la République. Bah, quoi, c'est la moins faire tel à quatre assemblées. On se comprend. Voilà, maintenant nous sommes devant Bato Oyo, parce qu'il va ramasser. Bah, il y a des croyants sans tout faire avec la politique et Sanine. Maintenant, on touche le président Félix Tshisekedi, on touche la base. Nous, la base, nous sommes là. Nous, la population, nous sommes là pour défendre les intérêts de la population. En tout cas, en tant que garant de la nation, président Félix Tshisekedi Tshilombo, élu massivement par la population, nous sommes là pour les soutenir aujourd'hui. Mabunda, qui connaissait cette histoire boutiquée, ayez bien compris ma salaki. Comment est-ce qu'elle est parvenue à faire passer ces motions là-bas, pas débattre dans la grande assemblée? C'est quand même déplorable ce qui est arrivé ce jour-là, parce que moi-même étant membre du bureau, quand il y a une motion pareille, je devais être mis au courant, ce qui n'a pas été fait. C'est dont je suis personnellement frustré, cette attitude de vouloir bien faire les choses en cachette, boutiquer des choses, alors que nous sommes membres d'un bureau et ça devait être discuté ensemble. Dans la mesure où le chef de l'État n'est pas comptable devant l'Assemblée nationale, Ça s'est apparenté de manière ostensible comme de l'outrage au chef de l'État. Mais vous savez, le chef de l'État est à la tête d'un parti de masse. C'est pas facile de l'attaquer comme ça parce que vous avez une majorité et en fin de compte, on vit des choses comme ça. C'est vrai que moi-même, je suis pris à partie par le même jeune. Je n'ai pas été marié, mais sauf qu'il reconnaît à moi tout ce qu'il reconnaît à moi d'un homme intègre, quelqu'un qui n'a jamais comploté contre le chef de l'État. Je suis un homme de conviction. J'ai fait ce que mon cœur et mon esprit, c'est que mon intime conviction me demande de faire. À notre grande surprise, on a été étonné de voir Jeannine Mabunda, qui est l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale, prouvant, donnant l'autorisation qu'il est émotion concernant la nomination de mandaté au sujet du président de la République. Or, cette Assemblée n'a aucune compétence, n'a aucune qualité. Pour aller même plus loin, voler intentionnellement la Constitution, un député élu arrive même à considérer, à qualifier notre président Félix Tshilombo d'un inconscient. C'est pourquoi on est là, juste donner le message en deux ou trois mots. La première des choses, que ces députés-là soient invalidés en passant par l'élevé d'immunité et puis déféré devant la justice. Et que le procureur près de la Cour constitutionnelle puisse interpeller ces députés-là afin qu'ils puissent être punis par la loi. Nous savons que le chef de l'État est effectivement irresponsable. Ses actes ne peuvent pas faire l'objet de discussions. Mais vous avez remarqué vous-même, chaque député qui a pris la parole avait tendance à pouvoir se poser la question sur l'exécutif, le comportement de l'exécutif qui a abouti à une orientation, parce que le chef de l'État a des services, le chef de l'État a un gouvernement. C'est en fait à ce genre de structure que les questions étaient réservées. Personne n'a posé la problématique de pouvoir mettre les chefs de l'État en cause. Ma Mission TV, le miroir du monde. Oh!
Palais du Peuple. On a premier vice-président, bonjour. Bonjour. Quelles sont vos impressions par rapport à la réaction de tout à l'heure de la base de l'UDPS? En fait, vous savez, je suis membre du bureau. C'est quand même déplorable ce qui est arrivé ce jour-là, parce que moi-même étant membre du bureau, quand il y a une motion pareille, je devais être mis au courant, ce qui n'a pas été fait. C'est dont je suis personnellement frustré, cette attitude de vouloir bien faire les choses en cachette, boutiquer des choses, alors que nous sommes membres d'un bureau et ça devait être discuté ensemble. Dans la mesure où le chef de l'État n'est pas comptable devant l'Assemblée nationale, ça s'est apparenté de manière ostensible comme de l'outrage au chef de l'État. Mais vous savez, le chef de l'État est à la tête d'un parti de masse. C'est pas facile de l'attaquer comme ça parce que vous avez une majorité et en fin de compte, on vit des choses comme ça. C'est vrai que moi-même, je suis pris à partie par le même jeune. Je n'ai pas été épargné, mais sauf qu'ils reconnaissent à moi tout ce qu'ils reconnaissent à moi d'un homme intègre, quelqu'un qui n'a jamais comploté contre le chef de l'État. Je suis un homme de conviction. J'ai fait ce que mon cœur et mon esprit, ce que mon intime conviction me demande de faire. Mais je crois qu'ils vont se calmer. Moi-même, je les ai calmés. Hier, déjà, j'ai écrit à la présidente du bureau de convoquer une réunion du bureau ce matin pour qu'un point soit fait, que je vois clair dans le dossier, parce que tout ce qui a été fait, c'est clairement établi que ça a été boutiqué et j'ai toutes les informations possibles. Et à la limite, je pourrais calmer les combattants. Vous faites confiance à Grand OFCC aujourd'hui? Vous savez, c'est une coalition. Je ne dirais pas que c'est la fin. Nous sommes partis pour un mandat de 5 ans. C'est vrai qu'il y aura toujours des problèmes. Il y aura toujours des écueils. Mais quand on est homme d'État, on est appelé à se supporter mutuellement, à éviter les erreurs, parce que le diable vit dans les détails. Merci. Merci. Nous avions effectivement une réunion ce jour. Mais avant même qu'on puisse accéder l'hémicycle, nous avons affronté une multitude de jeunes d'un parti, comme vous l'avez dit, il s'agit de l'UDPS, des combattants de l'UDPS, qui se sont déployés devant l'entrée de l'hémicycle, notamment de notre clôture, pour empêcher et s'attaquer aux différents députés qui voulaient bien accéder à l'hémicycle pour les différents rendez-vous de travail. 2011 et aujourd'hui, nous avons assisté à une alternance pacifique. Cela doit être préservé, surtout quand il s'agit d'un parti qui est au pouvoir. Là n'était pas la mission ou même l'objectif de l'Assemblée nationale. Nous savons que le chef de l'État est effectivement irresponsable. Ses actes ne peuvent pas faire l'objet de discussions. Mais vous avez remarqué vous-même, chaque député qui a pris la parole avait tendance à pouvoir se poser la question sur l'exécutif, le comportement de l'exécutif qui a abouti à une orientation, parce que le chef de l'État a des services, le chef de l'État a un gouvernement. C'est en fait à ce genre de structure que les questions étaient réservées. Personne n'a posé la problématique de pouvoir mettre le chef de l'État en cause, parce que la Constitution nous l'interdit. Ce qui a été, c'était une discussion autour de la gestion des entreprises de portefeuille, mais la grande préoccupation a été celle de savoir à quand le gouvernement. D'ailleurs, c'est un député de l'opposition qui a soulevé cette motion, qui condamnait énergiquement le comportement de la coalition FCC-CACH, qui tardait dans leurs discussions pour que la population puisse avoir un gouvernement, pour que les problèmes d'insécurité qui se posent dans l'est du pays, pour que la situation des maladies comme Ebola soit résolue. Donc c'était ça la préoccupation. Mais il n'était pas question de pouvoir mettre en cause les actes administratifs pris par les chefs de l'État. Et à tout moment, l'honorable président recadrait tous ceux qui prenaient la parole et vous avez été témoin. Bon, les camoufles ça n'ont pas vraiment maman a regret mobimba. Il y a comme on a un député élu par la population. Oh ayebi, koyeba mibe koyamboka. Article 69. Et je pense au président de la République tous les pouvoirs. Il y a qu'on quand tu as nécessité. 77. La décision. Il y a président de la République. Bah quoi c'est la moi faire t'es la carte assemblée t'es. On se comprend. Voilà maintenant nous sommes devant Batou Oyo, Bazaki va ramasser. Bayane Koya sans tout faire que politique et sanine.
Maintenant, on touche le président Félix Tshisekedi, on touche la base. Nous, la base, nous sommes là. Nous, la population, nous sommes là pour défendre les intérêts de la population. En tout cas, en tant que garant de la nation, président Félix Tshisekedi Tshilombo, élu massivement par la population, nous sommes là pour les soutenir aujourd'hui. Mabunda, qui connaissait cette histoire boutiquée, ayez bien compris ma salaki. Comment est-ce qu'elle est parvenue à faire passer ces motions là-bas, pas débattre avant la grande assemblée. Et ça bien sûr, ce n'est pas correct. Voilà bateau, bayebi, ba maplomo, ba gendo rotang, ayez ba maplomo, ba français, bayebi politique. Voilà maintenant, vous voyez la population, les injures devant un président de la République, un député qui est censé donner la morale à la base, mais lui-même est allé là-bas. Est-ce qu'il était élu pour aller insulter les chefs de l'État? Moutozo Fina, chef de l'État, est un inconscient. Quand on voit, si on veut définir le mot inconscient, c'est-à-dire quelqu'un qui est malade, c'est quelqu'un qui est un imbécile, c'est quelqu'un qui fait les 60 fois penser, c'est quelqu'un qui est entouré de bruit. Un inconscient, ce mot-là englobe beaucoup de définitions. Maintenant, il faut maintenant comprendre, nous allons faire cette signe pendant une semaine, l'hôpital Rosal, pendant une semaine, outrage au chef de l'État. Bango, baby baloi, mais biso population. Là, c'est juste réclamer, prouver de notre mécontentement face à ce qui s'était passé le vendredi au sein de l'Assemblée nationale par rapport à l'examination des actes posés par les chefs de l'État sur le plan administratif qui ne concerne ni l'Assemblée nationale. Oubliant toutefois que le président est élu par le peuple en utilisant, en appliquant un système semi-présidentiel. Mais à notre grande surprise, on a été étonné de voir Jeanine Mabunda, qui est la présidente, l'actuelle présidente de l'Assemblée nationale, prouvant, donnant l'autorisation qu'il ait une motion concernant la nomination de mandataire au sujet du président de la République. Or, cette Assemblée n'a aucune compétence, n'a aucune qualité pour aller même plus loin, voler intentionnellement la Constitution. Un député élu arrive même à considérer, à qualifier notre président Félix Tshilombo Tshisekedi d'un inconscient. C'est pourquoi on est là, juste à donner le message en deux ou trois mots. La première des choses, que ces députés-là soient invalidés en passant par l'élève d'immunité et puis déférés devant la justice. Et que le procureur près de la Cour constitutionnelle puisse interpeller ces députés-là afin qu'ils puissent être punis par la loi. De deux, nous ne connaissons ni de près ni de loin concernant le mariage FCC-CACH. La semaine ici, nous sommes là plus motivés comme un seul homme. Pour prouver notre mécontentement, nous sommes dans un pays démocratique avec le président Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Ndenge bango bazo respecter tout d'abord président de la République te batanga bien article 81 et on peut au président de la République pouvoir nyonso biso to autoriser te que non institution oyo auto zo benga au palais du peuple assemblement et comme likolo ya biso peuple to na sima ya président de la République. Tous après y'a qu'au boycotter na oye institution na bango oye assemblée oye. Biso peuple togo soutenir président de la République assemblée avec 500 députés peuple à 80 millions togo soutenir total en anou peuple na bango lelo. Torobe banana ba do FCC. Mais c'est journaliste. Biso bandeau to voter bango. Lokola to voter bango. Bako saisir le lot.
Mabunda. Mon téléphone, je l'ai donné à qui? Ma mission TV, le miroir du monde.